Originaire d'Amérique du Sud, la pomme de terre a été introduite en Europe par les conquistadors espagnols en 1535. Bien que l'Église n'ait pas approuvé sa consommation pendant une longue période, grâce à un prêtre sage, sa mauvaise réputation a été restaurée en premier lieu et fut cultivée en France et en Italie. S'étant ensuite propagée vers l'Asie et l'Afrique, les pommes de terre sont maintenant devenues un légume populaire dans toutes les cuisines. Près de la moitié de la production de pommes de terre dans le monde est consommée fraîche, tandis que l'autre moitié est utilisée en tant que produits alimentaires transformés, aliments pour animaux, amidon industriel et conservés pour la plantation. Les pommes chips congelées peuvent être conservées pendant une longue période et brillent sur les menus des restaurants fast-food répartis dans le monde entier. Avec une production totale de plus de 300 millions de tonnes, les pommes de terre poussent dans de nombreux pays afin de répondre à des demandes élevées. La Chine est le premier producteur de pommes de terre. Il surpasse les autres pays avec une production de 75 millions de tonnes. L'Inde est au deuxième rang avec 37 millions de tonnes de production, suivie par la Russie avec 22 millions de tonnes. La pomme de terre crue est composée de 70 à 80% d'eau et 20% de glucides. Son contenu riche en divers minéraux et vitamines est nécessaire pour une alimentation saine. Après les céréales, les pommes de terre sont les aliments les plus populaires dans les régimes alimentaires à base de plantes. La pomme de terre est produite et consommée dans presque tous les pays du monde grâce à son prix bas, des rendements élevés par unité de surface, les éléments nutritifs riches, la digestion facile, la large gamme d'utilisation et la facilité à être cultivée dans presque tous les climats. Ces tubercules sont emballés avec beaucoup de glucides comme l'amidon, le potassium, le fer, les vitamines B et C. La pomme de terre est l'aliment de base en Europe et en Amérique, tandis que le riz est préféré comme aliment de base en Extrême-Orient et le blé en Asie et en Afrique. Cependant, on observe une croissance continue de la consommation de la pomme de terre en Extrême-Orient et en Afrique. La pomme de terre, par sa nature même, est un produit très adéquat pour le stockage à long terme. Cependant, bien qu'elle soit stockée dans des dépôts primitifs et des grottes, ces méthodes de conservation conduisent à la détérioration du produit. Les tubercules doivent être stockés différemment puisque les autres types de pommes de terre sont soumis à un processus chimique afin d'éviter la germination pendant le stockage. La préservation des pommes de terre est semblable à celle des oignons. Comme toutes les plantes à racines, elles ont besoin d'être séchées avant d'être mises dans le stockage. Après le séchage, les pommes de terre sont soumises à une période de traitement pendant laquelle la peau se durcit et est traitée contre les dommages subis durant la récolte et la manipulation. Après cette étape, les pommes de terre sont préparées pour le stockage à froid en baissant la température de 0,5 degrés par jour. Les tubercules sont mieux conservés en chambre froide, maintenues entre 2 et 4 degrés, tandis que d'autres types entre 4 et 10 degrés. Toutefois, le contrôle du dioxyde de carbone est également important, autant que celui de la température de la chambre et l'humidité dans les entrepôts frigorifiques. L'augmentation du niveau de dioxyde de carbone doit être contrôlée et maintenue dans certaines limites. Pour éviter la condensation, avant la mise à la consommation sur le marché, les pommes de terre doivent être préparées en augmentant la température de 1 degré par jour. La meilleure méthode de stockage des pommes de terre est la technique de stockage moderne, qui comprend les étapes de séchage, de traitement, de refroidissement, du stockage et la préparation pour le marché. On estime que seulement 50 millions de tonnes sur les 300 millions de tonnes de la production mondiale de pommes de terre sont conservées avec ce genre de méthode de stockage moderne. Ayant été un aliment révolutionnaire pendant les 500 dernières années, la pomme de terre est un légume incroyablement populaire qui est devenu un aliment de base stratégique pour l'humanité.